Bonjour, je suis Adeline Dieudonné et je suis ici à la FNAC pour vous présenter mon nouveau livre, Kérosène. C'est assez clair parce que la station-service se situe dans les Ardennes belges, qui a pas mal de références à la Belgique, contrairement à mon premier roman où c'était beaucoup plus vague. Je parle de la mer du Nord à un moment, donc voilà, on a un petit peu les paysages belges qui se dessinent. Et on a l'humour, évidemment, l'humour un petit peu surréaliste et absurde belge. Ah, la couverture du livre, alors elle a été réalisée par Mathieu Persan et par Quentin Litz. Donc Mathieu Persan qui est un extraordinaire illustrateur que j'aime énormément, que les gens connaissent peut-être grâce à l'affiche notamment qu'il avait faite au moment du confinement, Grand Restez chez vous. Voilà, il a fait évidemment énormément de trucs, les couvertures de l'album de Benjamin Biolay. Et j'avais envie d'une couverture illustrée pour celui-ci. La FNAC, ça a été ma première grande émotion d'écrivaine puisque quelques semaines avant la sortie de mon premier roman, La Vraie Vie, j'ai appris qu'il avait remporté le prix du roman FNAC. Et ça, c'est juste incroyable parce que c'est une reconnaissance de dingue. Ça veut dire que plein de libraires de la FNAC ont aimé le livre puisque c'est eux qui décernent le prix. Donc ça voulait dire que j'étais soutenue et que j'étais déjà accueillie par énormément de libraires. Et donc c'était magnifique. Et puis je savais que ça donnait déjà un beau destin. C'était déjà une belle promesse pour mon premier roman.